Ah, mais c'est, elle est super jolie. Elle doit pas être bonne, mais elle est très jolie. Berk, rien que de voir ça, ça me dégoûte. On dirait que toi t'es en train de presser un calamar. Coucou les petits copains. Hello les petits copains. Hello Athena. Coucou Calice. Pika pika. Et oui, c'est Mardi Gras. Tout le monde se déguise aujourd'hui. J'espère que vous êtes déguisés. Dites-nous en commentaire en quoi vous êtes déguisés. Et nous aussi, on se déguise avec, vous avez reconnu, Cendrillon. Oui. Réponse et Pika Pou. Pika Pika. C'est réponse. Mais c'est quoi la question? Alors attends, ouais, t'as raison. Voilà, Pika Pika. Et aujourd'hui, on se déguise, mais on va aussi faire un challenge. Un crêpe nouveau. Challenge. Exactement, c'est un crêpe challenge. C'est une variante du pizza challenge. Ça veut dire qu'à la place de la pâte à pizza, on a une crêpe. Parce que le jour de Mardi Gras, c'est comme la Chandeleur. Généralement, on mange des crêpes. Eh bien, on va commencer ce crêpe challenge. C'est un petit peu comme la dernière fois avec le smoothie challenge. Si vous avez vu la vidéo, sinon cliquez sur le petit i. Oh, pardon. En haut à droite. Petit drip. Mais tu m'as mis le doigt dans le nez. Ah oui. C'est dégoûtant. Et le crêpe challenge, c'est le même principe que le smoothie challenge si vous avez vu la vidéo. Sinon, allez voir la vidéo. En haut à droite. Elle a failli me mordre mon doigt en plus. Hein. En haut à droite. C'est-à-dire que nous avons la crêpe ici et là, regardez. Les ingrédients. Et pour ce crêpe challenge, il y a combien d'ingrédients, Calice? 14. Crêpes. Tout ça. Et on va tous les piocher, ils sont là-dedans. Donc vas-y, donne-nous la liste de ces ingrédients, Calice. Jambon. Alors, jambon, ici. Emmental. Emmental, ici. Salade. Salade, là. Œuf dur. Œuf, oui, œuf dur, ici. Saucisse. Saucisse, elle est cru. Ici. Poulet cru. Non, en fait, c'est cuit, hein, quand même. Ouais, enfin, un poulet. Non, quand même, on n'a pas mis du poulet cru. Le poulet cuit, il est froid, c'est ça que tu veux dire. La ouais. Saucisse est froide aussi, voilà. Alors, dans les moins bons, les Bean Boozle. Les Jelly Bean Boozle. Du Nesquik. Le Nesquik, c'est super bon. Mais dans la crème, moi, je trouve pas ça très bon. Hein. Ah, c'est que c'est une galette, c'est pour ça. C'est une galette. Ouais. C'est une galette de sarrasin. De la compote. Voilà, la compote. Ah, ben merci. Pomme quoi non, pomme fraise. Banane fraise. Allez, allez. Bon, en tout cas, c'est de la compote, on va se régaler. Oh, ensuite, il y a de la confiture. De la confiture. De cerises. De cerises. De la farine. De cerises. De la farine. De la farine francine. Et de la banane. De la banane. Elle est où la banane? Oh, bah dis donc. Elle est plus grande que toi, la banane. Hey, elle est plus grande que ta tête. Incroyable. Du ketchup. Du ketchup, ok. Ok pour les ingrédients, et il y a aussi des petits papiers puisque c'est une variante comme dans le smoothie challenge. Là on n'a pas mis le switch, on en a mis d'autres, mais il y a quand même le petit papier, deux petits papiers passe ton tour qui reviennent. Et le passe ton tour, en fait, quand on le pioche, ça consiste en quoi? Ben, ne pas piocher d'ingrédients. Voilà, on passe son tour, ça fait un ingrédient en moins, c'est plutôt sympa. Et il y a une nouveauté dans cette variante. Ah, il y a chance, c'est-à-dire tu pioches l'ingrédient. Tu prends l'ingrédient que tu veux. Voilà, il y a le petit papier chance où on choisit, on ne pioche pas, on choisit l'ingrédient qui nous fait plaisir pour notre crêpe. Et malchance, c'est l'autre qui te choisit un ingrédient. Voilà, et le petit papier pas de bol, on va dire, le papier malchance, c'est que l'adversaire choisit pour nous l'ingrédient qu'on va mettre dans notre crêpe. Oh, dis donc, à chaque fois on met des petites variantes, c'est rigolo. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît ce genre de variante. Eh bien, on n'a plus qu'à commencer. Donc, d'accord, comme la dernière fois, je vais affronter Calice et Athéna qui n'a pas envie de manger de crêpe. Donc, c'est son choix, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il a envie. Mais que je peux manger un bout de crêpe? Tu pourras manger un bout de crêpe si tu as envie. Mais pas maintenant, attends. Okay. Donc, par contre, toi, tu vas piocher pour moi. Mais c'est qui commence? C'est moi, c'est moi la plus jeune. Alors c'est parti, premier ingrédient, qu'est-ce que ça va être? Confiture. La confiture, ben ça commence bien. Ah oui, non, toi t'aimes pas le sucré dans une galette de sarrasin salé. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est pas mauvais. C'est après quand si t'as du ketchup en plus, là ça va être bizarre. Le crêpe challenge. On dirait du sirop. Ah oui, mais parce qu'il faut bien prendre le morceau de confiture, voilà, comme ça. Fais-toi plaisir. Attends, j'en ai pas trop quand même. C'est bon là? Ouais, ça a l'air plutôt sympa, regardez. Très joli, ok. Alors, maintenant, est-ce que c'est de la vraie confiture de cerise? Ah, chrome. Ah, oui. Sur la jolie robe de Cendrillon.
Eh bien, maintenant, c'est au deuxième ingrédient, c'est à mon tour. Les petites J'ai variées. Peur, choisis un bon ingrédient, variées. S'il te plaît. Les petites variées. Pas de farine pour commencer. C'est quoi? Passe ton tour. Ah, passe ton tour, merci. C'est moi. Il y en a deux, hein, donc Caïs aussi peut Papa, piocher un passe ton tour. Je vais. Moi, j'ai dit les petites variées. Les petites variées. Vas-y. Saucisse. Saucisse oui. Attends, je vais prendre la saucisse, tiens. J'ai tu peux la couper ou la mettre en entier, comme tu veux. Hé, papa, tu écrases sur ma robe. Oh, pardon, mademoiselle. Je vais lever un tout petit peu la caméra. Voilà, maintenant qu'on a bien présenté les ingrédients. Ok, Pikachu. Merci, Athéna. Une grande place pour papa Pikachu. Merci, Cendrillon. Comme ça, tu vas pas écraser ma robe. T'as raison. Alors, oh, mais c'est joli ce qu'elle nous fait. Mais pourquoi tu mets tout ça sur la crêpe? Mais c'est quoi ça? Mais... Est-ce que c'est une vraie saucisse, Athéna? Oui, j'ai trop... Non, ça c'est mon goût. Mais je veux bien. Mon goût aussi, hein. Ça j'ai trop bon. C'est bon. Donc voici. Voilà, c'est bon. Allez, à maintenant, toi. Athéna, tu pioches un deuxième passe ton tour, s'il te plaît. Genre, c'est passe ton tour. T'imagines? Non! Si! Incroyable! J'ai les deux passe ton tour. Je vais avoir une galette nature, moi. Oui! Merci. Après, chance! Ah, chance! Donc tu choisis l'ingrédient que tu veux parmi tout ce qu'il y a sur la table. Alors, j'ai juste en train de saler et un sucré. Qu'est-ce que tu vas prendre? Du poulet peut-être? Du jambon. Du jambon avec la confiture? Ouais. Bah pourquoi pas, hein? C'est du vrai jambon! Tu veux goûter si c'est du vrai jambon? Ok. Ça, c'est bon. Et regardez la mienne, c'est elle est quand même magnifique. Hein. C'est quand même le troisième ingrédient pour Calice. Et moi, rien, niette. Donc pendant ce temps-là, tu peux piocher un bout de papier. Voilà. Intrigue bon. Sauce. Attends. T'as mis deux fois saucisse. Non. Ah vas-y, repioche un bout de papier. Parce qu'on va pas mettre deux fois le même, évidemment. Ah bon. En plus, y'a plus de saucisse. En plus, t'as tout mangé. Pas de chance. Oh non, pas de chance. Ça veut dire que Calice va choisir un ingrédient pour moi. Oh non, non, c'est ce que je voulais pas. Farine. Oh non, pas la farine. Qu'est-ce que tu veux manger de la farine? Non, goûte pas, c'est vraiment de la farine, c'est pas la peine de goûter, Adela. Tu peux me faire confiance. La farine, c'est pas... C'est pas bon. Oui. T'as vu, c'est pas bon, hein? C'est bon. Mais non, c'est pas bon, c'est de la farine. Bah, ouais. Ça te va comme ça ou pas? Oui. Allez. À moi. Ok. C'est quoi ma galette? Crêpe challenge. Wow. Ketchup. Ketchup. Alors, ça va, c'est plutôt Calice. Pas mal. C'est plutôt pas mal avec la cerise confiturée. Bah si on enlève la confiture, c'est bon, hein. Ah oui, sans la confiture, c'est extra. Oh là 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 là. Allez, j'en mets plein. T'en mets plein parce que t'adores le ketchup. Ouais. C'est bon là. Je peux la goûter. Regardez l'œuvre d'art de Calice. Et puis moi, c'est monochrome, c'est que du blanc. Mais là, ça va changer maintenant. Parce qu'on a pioché tous les papiers spéciaux. Attention, la robe pas non, dans la farine. Non, on n'a pas plié les papiers Jelly Belly. Oui, mais c'est un ingrédient. Compote, non. Oh, sûrement, compote avec la farine, c'est pas, hein, c'est pas mauvais. Elle est où la compote? Ah, elle est là. Vas-y. Est-ce que c'est rond, la compote? Je vais la mettre partout. Oh là 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 là. Bon, pour l'instant, en même temps, c'est plutôt bon, je pense. C'est bon? Attends, j'ai pas... Bah non, t'en mets sur les bords, hein. Va me filer ma compote. T'en mets sur les bords, hein. Ouais, mais j'en mets où tu veux. Moi je joue le jeu. Et la dernière fois, le smoothie challenge, j'ai tout bu mon smoothie, hein. Alors que toi tu l'as pas bu, hein. Bah, je dis ça, je dis rien, hein. Tu sais, moi je suis un fou, moi. Moi je mange tout, hein. Voilà, allez, il y en a plus. C'est bon, allez, à qui le tour? À moi. Ça tombe bien. Oui, c'est drôle. Oh, de la salade. En plus, j'aime pas la salade. En plus, ouais, j'espère qu'elle a choisi l'ingrédient. Elle a choisi tous les ingrédients. Pourquoi t'as dit la salade? Bah... Tu pensais que ça serait moi qui trouvais plutôt vrai? Nous, on en a deux et Calice, bah, elle en a trois. C'est déjà mieux que les mentales. Tu veux ça? Oui. Allez, une seule tranche, je suis sympa. Est-ce que tu veux goûter la salade pour voir si c'est de la salade? Oui. Allez, tout va, tout va. Ça tombe bien, ah, j'aime la salade. J'aime que le blanc. Ouais, moi aussi j'aime ça. Moi j'aime que le blanc. Athéna, c'est à toi de piocher un petit papier. Ne me raconte pas de salade, je sais que ça nous jouait. Alors. Les bean boozles. Non. Si, les bean boozles. Non. Attends. Allez. C'est suspense, hein. Du jambon. Ah bah non. Ah bah non. Il a été remis aussi tout à l'heure, je pense.
D'accord, faut pas remettre les petits papiers. Donc, allez, on continue. Bean Boozle. Non, il est grand celui-là en même temps. Bean Boozle. Non, je vais prendre du jambon finalement. Alors, par contre, on met pas tout, hein. C'est comme le jambon. Non, tu mets pas tout. Hein. Est-ce que tu veux goûter pour voir si c'est vraiment des Bean Boozle? Oui, d'accord. Papa, tu m'as pas fait un bleu. Ah non, il y a pas de bleu. Est-ce que vous voulez piocher? Il y a quoi alors? Il y a même pas de bleu. Ah si, il y en a deux par là. Ah. C'est pour moi. Attends, il y en a peut-être d'autres. Regarde, il y en a d'autres. Voilà. Non, pas qu'il est un peu fort. Le bleu, c'est soit la mûre, moi, c'est soit dentifrice. Moi, j'ai dentifrice. Ah bon? Eh ben, et moi, je mets... Je sais pas. Voilà. Allez, je joue le jeu, hein, j'en mets plein. Oh, yeah, oui. Là-dedans, il y a forcément des mauvaises. Ok, allez. Moi, ça ressemble plus à une crêpe que toi. Bon, maintenant, il reste que des bonnes choses. Hein. Poulet. Tu vois? Du poulet, par contre, tu mets pas tout, évidemment. Le couteau, tu vas pouvoir couper un petit morceau. Ou un gros morceau de poulet, comme tu veux. Oh, moi, je veux les yeux pour toi. Et n'empêche, elle est magnifique, ta crêpe. Franchement, il y a beaucoup de couleurs. Elle est très, très, très appétissante. Miam, miam, ça a l'air bon. Mais ton poulet, tu l'as mis? Oui. Là. Alors, vas-y, Athéna. J'ai le droit. Mais moi, moi, ça va être terrible, finalement, avec les Bean Boozle. Terrible. Un truc bon. Pas du fromage, s'il te plaît. Non, Farine, mais... On l'a déjà mis. Mais oui. Ah, mais non, c'est moi qui te l'ai choisi. C'est pour ça qu'on l'a pas déjà mis. Ah, t'as raison. Donc, tu gardes le papier quand même. Hein. Alors, la farine, Athéna, c'est fait. Athéna, tu reprends. Ah, alors, oui. Il ne reste que 4. Tadam, pas de fromage. Non. Banane. Ah, j'ai eu le fromage, ouf. Banane, oh, bah ça va, banane. Athéna, est-ce que tu veux goûter si c'est vraiment de la banane? Voilà, moi je mets des morceaux de banane dedans. Voilà. Eh, moi pour l'instant je me régale. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chocolat dans les ingrédients, là ça aurait été top. Ouais, mais si, il y a le normal, ça enlève la pique qui pique. Ah, alors, attention. Œuf. Ah, l'œuf, le voici. Il est un peu bizarre ton œuf, tu sais. Non, mais il est bien. Non, regarde. Ouais, mais... En fait, c'est une splat ball. Et voilà! Je peux goûter! Et on met que le jaune, allez, je suis sympa! Tu peux goûter? Ouais, tu peux goûter! Top, top! Attention, tu vas en mettre partout sur ta jolie robe! Bon. Attends! J'ai pas mis assez! Elle est super jolie! Elle doit pas être bonne, mais elle est très jolie! Berk! Rien que de voir ça, ça me dégoûte! On dirait que t'es en train de presser un calamar! Et moi, je termine avec la chantilly et c'est nickel! Après, je me régale! À part les Bean Boozle! Mais autrement, je vais me régaler. La chantilly, s'il te plaît. Non, attends, je redis qu'un. Voilà. Deux. Chantilly, il reste deux. C'est une chanson deux. Immortal. Ah oui. C'est quoi? Nesquik. Ah, Nesquik. Bon, c'est pas mal non plus, mais j'aurais préféré la chantilly. Attends, soit il manque le fromage, soit il manque la... La chantilly. Ouais. Je sais pas vérifier, parce qu'en fait, Caillou, ça fait des petits bouts de papier. Mais c'est pas grave, on va dire que celui qui manque, c'est celui qui n'y a pas. Alors vas-y, pioche-le. Et moi, je mets pour l'instant le chocolat. Voilà. Oh là là. Farine. C'est quoi? Farine. Non. Alors. Attends, je vais faire un petit papier farine au cas où. Non, mais celui qui... le dernier, c'était quoi? Emmental. Ah bah alors. Je vais pleurer. Elle aime pas le fromage. Mais pourquoi t'as mis le fromage, Coluche? J'étais surpris. Et n'empêche que quand j'ai fait les courses, que du coup j'ai fait les courses, j'ai pas pris le vrai fromage. J'ai pris le fromage croque-monsieur. C'est-à-dire que le croque-monsieur, t'aimes bien ça. Donc c'est le fromage type croque-monsieur. C'est ouais. Pas le fromage. Sauf que c'est pas fondu. Alors Athéna, tu vas goûter pour voir si c'est du vrai fromage à croque-monsieur. Moi aussi d'ailleurs, j'adore ça. Papa, j'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce que c'est bon? Oui. Oh, rien que de le voir, ça. Voilà. Oh, ça pue. Là, ça reste quand même du fromage, mais bon. C'est un peu du fromage style vache qui rit. Je vais le ramasser. Alors c'est quoi? J'aurais préféré des... Bah là, du coup, c'est la chantilly qui reste. Bah non, il n'y en a plus. Oui, mais comme il n'y a pas de papier, c'est le dernier papier qui manque. Et moi, j'aurais pu prendre la chantilly, c'est pas du jeu. Bon, allez, je suis sympa. T'es sûr que tu veux la chantilly avec ça? T'es sûr? Oui. Alors attends, c'est Athéna, est-ce que tu veux que j'échange ma chantilly contre l'emmental? Et la réponse est... Oui. Oh non, pourquoi? Tiens. Oh non. Les deux.
Quoi les deux? Non, pas les deux. Oh non, ça, alors c'était plutôt pas mal. Et là, je termine avec une tranche d'emmental. Et moi, je fais avec de la chantilly. Oh non. Bah, et moi, la chantilly avec ça, c'est pas très bon. Regardez, il y a vraiment... Il y a vraiment deux styles de différentes... Moi, c'est plutôt type salé, toi, c'est plutôt type sucré. Ouais, mais toi, elle est magnifique. Franchement, elle me donne envie. C'est pour dire que moi, là, avec le fromage, beaucoup moins. Bah, toi, avec la chantilly, beaucoup moins aussi. Hey, on dirait une vraie crêpe de restaurant. Hein. Regardez-moi ça. Et le crêpe challenge, ça a quand même du style. Hein. Et voilà. Papa, fais un goûter à vous. Magnifique. Regardez le résultat de ces deux crêpes challenge. Je sais pas laquelle vous préférez visuellement. Moi, je préfère les deux. Oh, attends. Bon. Ting. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la saucisse sur la chantilly. Ouais. Alors, on plie. Ok. 1, 2, 3. Tu vas goûter un bout. On plie comment? Comme ça? On fait une sorte de... De tuyau plutôt? Ça a pas trop l'air. Berk. Miam, miam. Donc après, ce que je te propose, c'est de couper en deux. On va couper comme ça. Et après, on va manger directement au milieu. Papa, je peux en voir toi au milieu? Papa, je peux en goûter un tout petit bout. Ah oh, bah tu pourras manger tout. Tu peux même tout manger si tu veux. Voilà ce que ça donne. C'est bizarre. Alors là, attends, on peut voir ce qu'il y a. La banane, la compote, le fromage. J'ai bien coupé, hein. C'est quoi ça? La banane aussi. Il doit y avoir un... Ah, il doit y avoir un Big Boozle qui traîne pas loin. Je sais pas où. Tu veux goûter avant? Un tout petit bout. À moi. D'accord, goûte avant. Attends, j'ai mis plein de chantilly. Et moi? C'est bon. Attends, c'est le vrai, mélange bon d'œufs et de chantilly. Ok, allez, ensemble, à trois. À la vôtre. 1, 2, 3. T'as goûté un Big Boozle? On peut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas bon. C'est bon, et là en plus, là j'ai un Jelly Bean Boozle, donc je vais croquer pour le manger. Ah, oh, j'en ai deux! J'en ai deux. Oh, je croque les Jelly Beans. Oh, salade! Je peux goûter un petit? Encore de l'œuf. J'en ai un bon et un pas bon. Ah bon? T'as de la chance. Je sais pas quoi c'est. C'est pas le pire. C'est pas l'œuf pourri. Il est pas terrible mais ça va. C'est peut-être la pelouse. Mais bon, c'est pas mauvais. T'as pas de Jelly Bean? Bah moi c'est un goût bizarre. Et ça donne pas. Est-ce que tu veux goûter la mienne? Je veux bien essayer. Et toi, tu veux goûter la mienne? Bah, je sais pas. Dit, je elle a l'air plutôt bien. T'as dit, moi, je vais goûter la tienne parce que moi. Vas-y, Athéna, goûte. Mais, elle goûte tout, Athéna. Alors, doucement. Hop. Je mets la main parce que. C'est voilà. C'est, voilà, voyez pourquoi je mets la main. C'est pas super propre, pardon, mais je m'en doute un petit peu. Attends, est-ce que tu peux lui donner une serviette, s'il te plaît, Calice? Bon, ben. Est-ce que on a mérité nos points, Athéna? Laquelle tu as préférée? Celle-là ou celle-là, toi qui as mangé les deux? T'as eu les deux? Mais elle aime tout, c'est pas possible. Attends, tu veux goûter? Alors du coup, je vais quand même goûter la tienne, Calice, allez. Elle est un peu bizarre, hein. Voilà. Alors? C'est bizarre. C'est oui. Pas mauvais. Mais c'est bizarre. Jambon, je vais tout manger. La mienne est meilleure, sauf pour le Jelly Bean Boozle. Après, c'est la chance, quoi. Ah ouais, c'est bon. Ah, tu vois, je pense que la mienne est meilleure. Ouais. Bon, bah, en tout cas, bravo. On a deux points chacun. Est-ce que vous avez aimé ce crêpe challenge? Nous, on a eu des petits moments d'angoisse et de frayeur. Vous avez vu, des fois, on était un peu... Oula, où on met les pieds? Mais on a adoré quand même faire ça. Voilà, c'est du pizza challenge version crêpe pour Mardi Gras. J'ai plus faim. C'est pour ça qu'on est déguisé. J'ai plus faim. Et nous, on se retrouve en tout cas demain pour une prochaine vidéo. On va digérer ces bonnes crêpes. Avec Pikachu. Allez, allez, on se fait un crêpe. Check. Check challenge. Et puis, pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous. Et bien sûr, vivez vos rêves. Demain. Oh là, mais elle est folle, mais elle est folle, mais elle est folle. Mais elle adore.
Athéna, t'as bien mangé? Oui. Bon, bah c'est son rêve. Elle peut bien manger des choses même quand elles sont pas forcément bonnes. Tu veux de la salade? Eh ben mange de la salade, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Farine. Tu veux de la farine? Eh ben vas-y, mange la farine, c'est moi qui régale. Et ben moi je vais manger un coquetier. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous dit à demain. Ciao, ciao. Ciao. Ouh, oh non. Oh yeah. Libéré. Il est de la 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 la. Non, toi non plus, t'es pas habillé en Elsa. Toi, t'es habillé en Cendrillon, et Cendrillon, elle chante des chansons, on ne fait pas de neige. Allez, ciao, ciao. Non.